Leur méthode est radicale, s'introduire en pleine circulation sur des voies rapides. Hier soir, ils étaient 11 militants écologistes à bloquer l'une des routes les plus fréquentées pour sortir de la capitale. L'exaspération des automobilistes ne s'est pas fait attendre. S'il vous plaît, avant que les gens pètent un plomb, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va mal tourner. Honnêtement, ça va mal tourner. Moi, vous croyez que ça m'amuse à 65 ans d'être ici? Mais restez chez vous alors, madame. Mais non, parce que... Restez chez vous. Vous pensez vraiment que vous allez faire quelque chose? Ça va rien changer ce que vous faites. Bien sûr que ça changera rien. Pendant de longues minutes, les activistes luttent pour tenir leur position, pendant que certains automobilistes, exaspérés, tentent de libérer les voies. Ce militant manque de se faire écraser. Roulez pas, il y en a un là. Quelques minutes plus tard, la police arrive. Il faut de l'aide là, il y a la police, on va le droit, c'est bon, on y va. Vas-y. Écologie, je vous dis, ça va dominer. Mais leur présence ne décourage pas les militants qui redoublent d'efforts pour maintenir le blocage des voies. Sous la colère des automobilistes, tu veux mourir, mets-le sous les roues, on va rigoler, vous gros. La tension monte d'un cran. On fait quoi d'être là? Mais la circulation, on ne peut pas aller ailleurs. On l'a déjà fait, monsieur. L'action aura duré une quarantaine de minutes et se terminera par l'arrestation des 11 militants avec l'appui d'une brigade d'intervention dépêchée sur place. Certains manifestants ont été placés en garde à vue.